Bonjour à tous, bienvenue sur Civilization 6, extension Rise and Fall, et je suis avec mon ami du froid, du nord, du Québec. Bonsoir Ishkool. Bonsoir à tous. Alors c'est l'épisode 13, comme d'habitude l'épisode 13, on a toujours des galères, on va être maudits, on verra bien. Petit rappel, on a décidé qu'ils se révoltent, moi j'ai voulu bouffer la Corée par le milieu, donc je vais devoir attaquer le bas maintenant. Et de ton côté, comment ça se passe Ishkool? Ben moi j'ai abandonné la ville de Puteoli. Et c'est Saladin qui l'a récupéré. Pour me concentrer sur... j'ai récupéré la ville de La Valette. La Villeneuve de La Valette. Ouais. D'ailleurs, t'as vu, oui, la cité-état, tu as réussi à la prendre, c'est nickel. Et Saladin, sa ville, à lui, loyauté maximale. Hein. Ouais. Mais il a mis un gouverneur, Liang. Liang, c'est quelqu'un de bien, ça? Oui, c'est la politicienne, c'est elle qui... tu peux l'envoyer sur une cité-état pour récupérer plus de ressources. Ah oui, c'est ce que je vois, dis donc, production plus 20. Oui, c'est pour l'améliorer tout de suite, quoi. Ah, bah écoute, on va essayer de la choper, celle-là. On va bien voir. Bon, bah écoutez, il faut passer le tour, tu me le disais. Donc il faut que tu bouges tes troupes. Alors ton projet, pour l'instant, ça va être quoi? Finir de coloniser un petit peu les espaces vides? Non, parce que... au nord de la Géorgie. Avec le coup des espaces... Je sais, mais... Ils vont me causer trop de... Je risque de perdre davantage de villes, là. Je vais me concentrer sur attaquer mon adversaire. Parce que à gauche de Rome, vers Carthage, au nord de la Géorgie. Ouais, la Géorgie est en avance technologique, fait que dès que j'ai mes soldats de modernes, j'attaque. Bon, et moi, il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas fait la paix avec la Corée. Alors pourquoi je suis en guerre si vous récupérez cet épisode? C'est parce que le Japon a dit attention, la Corée a attaqué une cité-état, c'était Lisbonne. Il faut libérer Lisbonne. Je dis non, j'ai pas envie. Mais la Corée s'est fâchée quand même. Bon, ben, crotte. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai un rebelle qui vient m'embêter là. Et ici, j'améliore une troupe. Ok. Ah bah écoute, je bouge mes petites troupes pour l'instant. Je regarde un peu ce qu'il y a en gestion. Une promesse a été tenue contre le Japon. Un accord. Ah, la Corée me fait un accord. Elle me propose de faire la paix. Moi, j'essaie d'avoir la merveille à... Bon, ben, c'est tout. Qu'est-ce que Pierre 2 me propose? Il me donne l'amulette? Ah bon? Ouais, pour qu'un contre du fer. Ouais. Des diamants. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avancer un petit 5 peu? 5 pièces par tour. Si j'enlève ça... Ouais, je veux juste l'amulette, moi. Parfait. J'ai réussi à enlever le fer, fait que c'est pas si pire. D'accord. Et moi, j'essaye de survivre un peu. Hamlet va augmenter mon taux de culture, donc. Oh, mais c'est qu'il y a beaucoup de rebelles. Je voulais qu'ils aillent vers le nord, moi. Ils sont bêtes. Est-ce que les chevaliers, je peux améliorer? Non, on va retrancher. Bon, j'envoie des troupes en tout cas. Un inquisiteur ici. Je vais voir si je peux acheter des troupes aussi. Ah, je peux acheter une frégate, dis donc. Ce que je ferais cette bêtise. C'est pas utile avec la Corée. Ils sont pas maritimes du tout. Et la quatrième, je peux l'améliorer pour 60. Bah voilà, j'ai ma frégate qui coûte moins cher que 500 dans une ville. J'upgrade mes unités pour l'instant. La galère en caravelle. Ouais, excellent. Excellent. Et du coup, j'ai même pas regardé le chrono, mais on s'en moque. Je sais à peu près où on en est. Bon, on a un retard technologique complètement fou. Hein. Je sais pas si on va y arriver. J'ai l'impression. Moi, ce qui me concerne, je suis déjà aux pièces de rechange. Ah oui, je suis aussi. Hein. Ah ouais, tu l'as. Bon, on est à peu près à égalité. Ouais, mais c'est par rapport aux voisins quand je vois piquet de tir. Je t'avais dit de pas prendre ce niveau de difficulté, mais non, monsieur, il veut pas écouter. Mais jamais. Il faut se battre. C'est la règle.
J'avais essayé le jeu, je te l'avais dit que ça serait difficile. Ah, t'inquiète. On va survivre. Ouais. Ah, il m'embête, lui, là. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça prend pour avoir le niveau 3 d'armement? Tu veux dire en... 3 unités ensemble. Ouais. En dégâts? Non, 3 unités ensemble. Eh ben... Ah, en technologie, tu veux dire? Ouais. Comment je l'ai fait? Je ne sais plus. Je regarde vite fait. Ah, je ne vois plus du tout, dis donc. Industrialisation. Ah voilà, je l'ai, c'est mobilisation. En doctrine, tu veux dire? Ouais. Ah oui, non, je suis parti en techno, moi. 4. Anti-chat. Ouais. Est-ce que je choisis le fascisme ou le communisme? Le communisme. Alors attends, assainissement. Moteur à vapeur. On va faire ça d'abord. Je vais avoir les pièces d'artillerie, dis donc. Dans 8 tours. Si je gère bien. 8 tours? Ouais, la gestion. Colin, t'es plus élevé, t'es plus amélioré que moi, toi là. Ouais, je fais très attention du coup à ce que je vais faire. Voilà. Ça, bah, je veux pas me faire battre, hein. Saut d'artillerie. Ah, il y a une nouvelle unité dans les matières plastiques. Les forces spéciales. Ah. C'est des parachutistes. Bon bah je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Et je vais vérifier mon rapport de ville. Que j'ai vu. Ah oui, ok, c'est l'artillerie, c'est Ouais, ça prend les rémunérages avant, c'est bon. Nan Madol, ok. Chez moi ça va. Je vais vérifier mes villes, comment ça va la religion. Hmm. Écoute, hein. Bonus d'engagement déclenché. Vous avez terminé une route commerciale. Grâce à ci, vous recevez des points d'air. Ah oui, c'était des routes commerciales, nom d'un chien. J'en suis à 4 sur 5, ça va être ça. On va acheter un autre négociant. Tiens, ici. On va essayer ça. Négociant 235. Ah, c'est que quelqu'un le fait déjà. D'accord, on va chercher la ville, le temps que tu finisses sa gestion. Canon, banque... Non, c'est pas visible. Alors... Je vois pas. Et là, tu me fais encore une frégate, c'est cool. Je vais faire le tour des religions. Quand tu auras fini ta gestion, tu me diras. Ok. Je regarde un petit peu, vite fait. Ouais, je fais un peu de gars de... J'élimine les religions ennemies, là. Mmh. Quartier résidentiel. Ah, attends... C'est bon, je t'attends. Oui, comment ça se passe avec tes villes capturées? La mienne, elle s'est révoltée, c'est bien. Et donc, je vais prendre maintenant... La Corée, en fait, est divisée en deux, maintenant. Le Nord se débrouille avec le Japon. Je sais pas s'ils ont fait la paix. Elle pleure là. Moi je vais attaquer la Corée du Sud. Si on peut dire. Et je vais essayer de les choper. En fait on va foutre le bazar. Bah maintenant t'es au courant qu'il faut pas... Bah justement. Justement je sais. Mais alors est-ce que je peux attaquer Yangsan ou je suis obligé de prendre la ville tout au sud de Jinju? Je vais me poser quelques questions. Je vais les prendre avant de pouvoir... Maintenant qu'elles sont coupées avec la révolte. Je suggère de prendre toutes les villes. De prendre les villes. Ouais. Évacuer tes forces militaires avant qu'ils soient tués. Ça, c'est bon. Les révoltants. Ouais. Une fois que tu vas avoir pris toutes les villes ennemies, là, tu vas les récupérer un par un pour les mettre dans ton système. Ouais. C'est la seule faction que j'ai vue de. Ah, j'ai réussi d'un coup trois quêtes de cité-état. Ah, bah écoute. Ici, j'ai une troupe qui peut se déplacer. On va lui demander d'aller là. Ça va guérir. Ok, je déplace mes armées, rien d'extraordinaire pour l'instant.
Et là, c'est régène. C'est régène, donc... Ah, mais non, on va même carrément aller ici. Attends, attends, attends. Voilà. Non, je suis en train de réfléchir dans mes invasions. Je pensais aller à Jinju au début, mais non, 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 on va attaquer au milieu, nous. On va faire une attaque. C'est un accent, tu me dis, hein, pour que je regarde. Ça va pas tarder. Dans deux tours, je pense, si tout va bien. Normalement, on peut guérir dans une cité-état, ami. Je pense. Poum, 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 poum. Normalement, oui, je pense. Ouais. Mais faut que tu sois le souverain. Ah, puis il va traverser ça. Ok. Je peux envoyer des émissaires. Ah, et puis une route commerciale, là, voilà celle que je cherchais. Là, on fait le plus d'argent. C'est Kyoto, 17. Et on est gagnant sur la religion plus 1, nous, et 0,5E. Allez, on établit une route. Ça y est, on est à 5,5. Bon, je suis à 7 points de revenir à un âge normal. Ça va, l'âge sombre n'est pas gênant. Hop. Et maintenant, c'est les bâtisseurs. Alors, habitation insuffisante à la Malik. Oh, il reste encore une place. Qu'est-ce qu'ils fabriquent chez eux? Colon, canon de campagne, bâtisseur, colon, canon de campagne, ouais. Rempart de renaissance. Mais je vais peut-être faire un campus, tiens. Que je peux faire là, c'est déjà construit. Ah, moi j'ai une nouvelle frégate. Ah, plus un, mais bon, mais ça ne vient pas à grand chose. La frégate, on va tout de suite contre les amis, les Amerdoc. Ouais, contre le Caire. Loisir, ça va pas complexe. C'est loisir hein, pour l'activité, si je me souviens. Ouais. Mais je préfère aussi plateforme commerciale. Alors, on a besoin de loisirs. As-tu vu ce que je t'arrête de regrouper pas d'arpinium? Ah non. Je vais aller voir ça, attends, je finis. Je suis en train d'améliorer une cité. Voilà. Allez, je vais voir chez toi. Antium, Raven, Arpinum, c'est vers Aretium, la Valette. Oh, mais t'as du monde, toi. C'est ta grosse armée, là. Ouais, je me prépare au combat. D'accord. Alors, attends. Suzerain Rishku, je touche pas à Zanzibar. Namnadol, vous. C'est bon. Carthage. Carthage est où, déjà? C'est chez toi, je touche pas à ça. Le Japon, suzerain ici après Slav. Aucun suzerain à Jérusalem. C'est où, Jérusalem? C'est chez toi, dis donc. T'as mis aucun émissaire. De Jérusalem? Ouais. Ah, je préfère les villes qui fournissent de l'or ou de la production. Voilà, je passe. Donc du coup, ta grosse armée, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu y vas. Mais il y a un camp, hein. Tu veux pas contourner un peu vers Mitcheka? Non, non, parce que si j'ai... Ah, c'est la ville la plus importante. D'accord. Si j'attaque ailleurs, je vais les perdre aussitôt. Ah bah, banzai. Tiens, le temps que ça se passe, je vous laisse comme ça. Je vais couper le micro deux secondes, j'ai un truc à faire, je reviens. Re, tu m'entends? Ouais. C'est bon. Non, non, j'ai mon Nelson qui m'a fait une blague, il fallait que j'aille voir. Excuse-moi. Qui ça? Mon chat. Mon petit chat. Bon, le petit chat. Ouais, je sais, le chat a son pépère. Bon, est-ce que je regarde ton action de ton côté, l'invasion? Tu y vas tout de suite? Dans 4 tours. Ah oui, d'accord. Prends des forces avant.
Habitation suffisante à Aksu, c'est où Aksu, sans frontières? Oh, qu'est-ce que le japonais il veut, lui? Il est content avec moi! Parce qu'il dit que mon empire est à l'image du soleil levant, puissant et prestigieux. Ah bah, écoute, merci. Eh bah, écoute. Toujours bon à prendre? Ouais. Bâtisseur, chevalier, ingénieur militaire. Camp de campagne. Faire une arène. Oula, il y a une urgence à Rome. Tu fais les remparts médiévaux, toi, enfin de Renaissance. Seulement pour les villes les plus importantes. Ou les proches de frontières compliquées, ouais, ouais. Est-ce qu'une zone industrielle... Je t'arrête de terminer la chapelle du grand maître. Qui va me permettre d'acheter des unités militaires avec la foi. D'accord. Chevalier, oui, mais bon. 70 et piqueté. Ah oui, non, mais l'infanterie, c'est mieux, là. On va laisser comme ça. Donc, le tour des villes, c'est fait. Mon canon est prêt. Ah, j'avais oublié une guerre religieuse en cours. Merde. Ah. Ah, voilà, tu t'es engagé dans un truc encore. Ben justement, t'es prêt à filmer à Arpinium? Dans pas longtemps, ouais. Ça va être faisable. J'arrive. Arpinum, vas-y. Que la force soit avec toi. Égalité. Ouais. Et merde. Alors tiens, j'en profite, j'ai un message, je sais pas si il regarde ma série en ce moment, il y a quelqu'un à qui je vais jouer pendant les vacances, et je trouvais le temps, les vacances scolaires pour vous évidemment, mais hélas non, quelqu'un est très intéressé par Civilization aussi, il me branche. Mais c'était juste en loisir. Ils coûtent cher les apôtres. Je sais pas, tu les payes combien toi? Ben à chaque fois que tu en achètes, le prix augmente. C'est vrai qu'à part... Je suis rendu à 320. Oh, bah dis donc. T'as combien en pièces d'or par tour? Là, je suis monté à 173. Je suis avec 5 marchands. Donc, conservation, j'aurais quoi? J'aurais gagné 3 émissaires. Ah oui, c'est cool, ça. Moi, j'en ai 145. Ouais. Ah, tiens, je t'ai dépassé. Et l'artillerie dans 6 tours. Bon, ça, c'est cool. Ça va faire du bien. L'artillerie, waouh. Ah ouais, j'ai focus. Je suis pas encore loin. Ah non, mais j'ai réfléchi pour me débarrasser de la Corée, quand même. Bon, les canons arrivent. Comment je suis avec Candy? Moi aussi, j'ai focusé sur... elle est où la... Ah, ok, c'est ça. Aviation. Oui, je suis à 7 émissaires à Candy, ok. Oh, c'est bien. Bon, je peux pas faire grand chose, j'essaie de réunir aussi des troupes tant que je peux. Piquet de tir, tiens. Les guérisons sont longues aussi, j'aurais peut-être faire un médecin. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Mais moi j'ai pas le choix, prochain tour, faut que je déclare la guerre. J'ai trop de problèmes avec les apôtres ennemis. Ah. Si je leur déclare la guerre, je vais pouvoir éliminer les apôtres. Ah, j'ai passé le tour, quelle nouille. Hey, je vais pas avoir la grande roue au prochain tour. Oh merde. Et l'aquarium. Il m'agresse. Qui ça? Je me suis approché de cette écorène un peu trop, j'ai pas compté mes cases. Je suis dans la ligne de mire avec mes fantassins. Je suis pas méchant. Le problème, c'est que ça va prendre du temps de guérison, quoi. Ça, je veux pas. Tu attends de Roosevelt de déclarer la guerre à Saladin? Ah ben ça va m'aider ça. La Géorgie qui fait la guerre? Non, les États-Unis qui attaquent les musulmans. Ah bah écoute, tant mieux. C'est mes voisins du sud, donc s'ils se bagarrent entre eux, moi ça m'arrange. Saladin, il veut... Pas satisfait l'intention de Saladin et Dévot. Ok.
Allez, une frégate dans le coin, on va protéger un peu notre côte. Guerre commune contre le Brésil, ça va pas, non? Désolé, monsieur le japonais, mais je suis déjà occupé ailleurs. Ah, je peux pas acheter là. Bon, j'ai un émissaire à envoyer. On va arrêter ça. Production d'une ville. Okay. Tiens, t'as plus rien. Ah, c'est cool. Alors. Tiens, je viens de m'emparer de Jérusalem. Ah bah, essaye, ouais. Armée. C'est fait. Un point de général illustre en plus. Campus, est-ce que j'ai un bout. Oh. Eh oui, je suis souverain de Jérusalem. Moi, je vais faire un campus. Tiens, je vais faire une cité un peu plus. Dans la recherche, bibliothèque, oui, université, oui. Réseau d'égout, c'est pas urgent, mais on va le faire, rempart pas urgent. Du coup, plateforme commerciale. J'ai quoi là? Bon, moi je prends un risque. Ah! J'attaque la Géorgie. Ah bah écoute, hein. Osez! Je veux d'abord la. Voilà. Je vais lui demander de ne pas convertir mes villes. Ah tiens, j'ai encore des émissaires à envoyer, moi, c'est cool. Du coup, et j'ai fait une guerre sainte. Je vous laisse Sundock. Le grand lion, il va être satisfait. L'Arabie a déclaré la guerre à Rome. Rome, la guerre à Géorgie. Oh, punaise. Tu es en guerre contre l'Arabie, hein? Ah ouais? Eh oui. Ils étaient peut-être alliés oh. En défense, non? Oh là. Oui, c'est ce que je dis. Ok. On se traite. C'est déjà un gros morceau avec. Ok. J'ai réussi de faire un peu. Deux motifs de guerre. Votre peuple fait un moment historique. Le monde entier s'accorde à dire que notre guerre sainte contre la Géorgie est justifiée pour le score de l'air. Tu m'as donné 3 points, merci. Ah ouais? C'est une guerre sainte que tu fais? Bah oui, comme on est en équipe tous les deux. Bon, ben, je vais garder des troupes en réserve. Ouais, et puis j'ai repris le contrôle d'une cité d'État, j'ai gagné des points aussi, ça c'est sympa. Accord pour. Ah, la Coréenne veut me voir encore. Faire la paix. Donne-moi Jinju et Yangsan. J'en veux pas de ça. Bon, elle est psychorigide, elle veut pas. Au revoir. Non, elle veut pas. Theodore Roosevelt vous envoyait un avertissement. Bon, l'américain, je m'en fous. Ah, joue pas au Trump. Hein. Allez, salut. Unité attaquée. Bah oui, elle a été blessée, celle-là. 40 déclarations de guerre. Waouh. Ouais. Et moi, ben, j'ai une nouvelle ville. Caesarea. Elle est où? En plein centre de la carte. Pas dans ton royaume, en dehors, une colonie lointaine. Ouais, c'est une colonie sur une petite île pour contrôler la mer. Césarea, oui, Césarée. Vu. Ah, tu me piques mes îles en plus maintenant. Ah oui, tiens. Il y en a une grande que je devrais coloniser, moi, au boulot. Au boulot, Ah, c'est vrai, j'ai des bâtis ça maintenant avec mes villes, quand, à chaque fois j'ai une nouvelle ville. Je suis en guerre contre Saladin, hein. 8 tours avant de faire la paix avec Saladin. Ouais. Toutes ces affaires de... On va mal. Bon, ben, je vais envoyer mes navires au combat contre Saladin. Tant pis pour lui. Vas-y, je viens voir. De toute façon, moi, en ce moment, je renforce un peu mes armées. Et j'ai une vision de colonisation par là. Ceux qui regardent, évidemment, avec moi, la vue Técamon. Donc, il va falloir que je revoie tous mes colons pour envoyer en urgence. D'ailleurs, c'est fou que le Brésil reste coincé comme ça. Ah, excuse-moi, j'ai encore une unité qui demandait à bouger, comme d'hab. Tata. Je sais, tout le temps.
Colus de quoi déjà? Je suis en guerre contre Babylone, Kaboul. Les cités-états, oui. Oula, j'ai fait une sacrée. Aïe aïe aïe! Je pense que j'ai fait une gaffe. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu protèges la Valette. Et puis. Ouais, c'est justement. Arrétium. Je garde mes troupes en position. Arrétium aussi, t'as protégé. Il faut un campement vers le sud. Parce qu'il va falloir que tu supportes Saladin, quoi. C'est pour ça que Saladin a pu prendre Puteoli, vite fait, il était copain avec la Géorgie. Pff, punaise, oh punaise. Là, tes canons. Bon courage. Il faut jouer. Ah oui, il fuit quand même. Il y a des troupes qui partent en retrait. Il y a un petit régiment de mousquetaires là qui s'en va. J'ai l'impression. À nous de jouer. Alors moi, bah écoute, je laisse une frégate en mer. Je viens te voir tout de suite. Vas-y, fais ton action. Guerre religieuse déjà, non? Guerre civile et religieuse. Allez, un coup de semonce. Ah mais tu as mis tes canons en première ligne, t'es fou. Mais pour qu'ils soient à portée de tir. Allez, à travers la jungle, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pour ça. Là, c'est très très négatif. Il faudrait que tu descendes d'un cran par la plaine. Non, ton canon était bien, hein, c'était par la plaine. Ou par le nord, ou par... Qu'il était à moitié détruit. Ouais, d'accord. Deux tours avant. Méfie-toi des chevaliers géorgiens au sud. Hein. Ouais, j'ai vu. T'as ton régiment qui est là, de toute façon. Un émissaire. Oh, dis donc. Tu savais que le bélier, on pouvait l'améliorer en médecin. Avant, on était obligé de détruire ces unités-là. Là, j'ai un upgrade de proposer, moi. Je te laisse bouger tes troupes. Bah, c'est cool, ça. Mais moi, j'ai un nouveau titre de gouverneur. Je vais promouvoir Magnus. Production pour chaque tour. Dépendante des ressources. Waouh, génial! Le niveau 3 de Magnus, c'est vraiment génial, le marché noir. Bah écoute. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Magnus, avec le marché noir? Alors, il donne un bonus en vente. Très gros bonus. Toutes les troupes que tu as besoin de ressources particulières, il n'y en a plus besoin avec Magnus. Oh. Avec le marché noir. Bah tant mieux. Alors, l'invasion, moi, je pense que c'est au prochain tour, Yang Sand. Ça commence à être bien. On va upgrader les unités. Je vais envoyer. Ouh, ça risque avec. Je peux même plus faire de commerce avec. Avec les Amerlocs. Ah! Bon, ben, je vais l'envoyer à Luxembourg. Moi, je vais faire un régiment dans la ville. Ok. On va renforcer les villes. Voilà. D'accord, parfait. Partie sympa, hein, une bonne reprise en main. Donc, en fait, j'ai deux grosses armées qui vont aller. Cette troupe-là, direct, et l'autre, par là, on va voir après. Et je reprends un peu mes villes, je refais de l'argent un petit peu. Ah, j'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé. Puis j'ai acheté des territoires, de toute façon, pour bloquer le Brésil. Moi, je garde mon argent pour upgrader mes fantassins dans deux tours. Ouais, j'ai un colon qui va être prêt là. Banque. Ah, il faut vraiment des colons. Hein. Ah, t'es prêt à filmer au sud Tchoukomi? Presque, donne-moi deux secondes. Il faut que je fasse quelque chose avant. Et j'arrive. Quartier résidentiel? Oh, sérieux. Non, j'ai un problème dans une ville, je manque de place. Et je veux pas construire. +4. Allez, vas-y. Où tu veux que j'aille? C'est cool, maintenant je peux acheter des unités avec la foi. Tu veux que j'aille près de Saladin à Puteoli? À gauche de la Valette. Vas-y. Dans les champs. Vas-y. Les chevaliers à mort. Ah, la poudre a parlé. Ouais, poudre contre chevalier. Ouais, c'est pas mal hein, les dégâts là. Ton régiment est costaud hein, en même temps. Excellent. Ouais. Ravan.
Tu vas bombarder là ou tu fais le contournant, du coup? Là pour l'instant. Mais là, je vais attaquer. Là, j'attaque avec tout ce que j'ai. Ah, tiens, la Corée. En me gardant des troupes pour contre Puteli. Accusé d'hérésie. Ah oui, tiens. Il y avait un apôtre coréen qui venait. Ah, limite, je devrais garder mes chevaliers par là, moi. Faudrait que je fasse des unités militaires encore. Attends. J'ai juste une ville avant de passer le tour en urgence. On t'attend. Ouais. Mais cette fois, j'ai changé d'idée. En fait, d'avoir des chevaliers en bord de frontière, tu sais, c'est vachement bien. C'est pour bloquer tous les religieux. Ah ouais? Ouais, je viens d'en détruire un avec un canon. Tu traites d'hérésie, tu vas dessus, tu traites d'hérésie. Oh ouais, c'est ça, c'est ce que je fais depuis tantôt. Ouais, donc je viens de changer d'avis. Rempart médiévaux, il résout des coups. Voilà. Tu m'attends plus, le tour passe. Ah. Bon, pour un épisode 13, c'est pas la malédiction, hein. Tout va bien. Et la Corée. Une urgence cible Tekamon. Ah bon? Urgence déclarée contre toi, mon ami. De la part de qui? Je sais pas, j'ai pas encore accès aux infos. Et pourquoi toi, t'es allié avec moi? C'est dégueulasse. Il me manque un point pour arriver en âge normal. Âge d'or 139. Ouf, ça va être chaud. Ah bon, il m'en manque encore 12 points. En fait, ça va très mal parce que on est en guerre avec 3 pays. Le Japon devient hostile, le Brésil pas mieux. Dis non. En fait, tout le monde nous déteste. Oui, merde. C'est qui veut me prendre en urgence? Participant Saladin, ouais. C'est Saladin. Oui, bah on s'en moque de Saladin. Bah pas moi, moi je suis juste en dessous de lui. Oui, mais c'est des villes à moi qui veut. T'es prêt à filmer à Arpinium? Bientôt, il faut que je déplace un colon. Et du coup, ah ouais, mais... chaud, quoi. Je vais déplacer un colon... Donne-moi 2 secondes. Attends, je vais faire une bêtise. Est-ce que j'ai moyen d'acheter un... Non, j'ai pas le moyen. Arpinium, me v'là. Je verrai après. Vas-y. Juste quand c'est Aladdin, voir, il me reste encore 6 tours. C'est marrant cette histoire d'urgence là contre moi. Protéger Karakorum. Ah bah c'est la capitale. Bien joué. Ouais, mais j'ai perdu un canon malheureusement. Ouais, bah je t'avais dit, hein, il va être contourné. Oh, fais gaffe, hein. Reste groupie. À cause de la jungle, je peux pas attaquer, et merde. Reste groupie, hein. Eh oui, il fallait attaquer par les côtés dégagés. Tes canons devraient descendre ou aller par le nord, ouais. Ouais, mais là, je peux pas les déplacer. Bon, je vais aller par le nord. C'est marrant, j'ai vu le portrait du Brésil. Non, je suis pas en guerre avec lui, pourtant. Il y a une erreur de portrait. Ils mettent Pierre du Brésil pour la cible de Genghis Khan. Ouais. À nous. Habitation plus 1, ça peut être bien. Un campement en même temps, ça serait super. Ah ah, t'es prêt à filmer à gauche de la Valette? La Valette, j'arrive. Ta conquête. Alors attends, ouais, vas-y. Et donc, n'oublie pas que ton bélier, t'aurais pu le grader en médecin. Hein. Si tu as la techno, évidemment. Non, je peux pas l'upgrader. D'accord. Donc t'es rentré dans l'artillerie. Ouais, pour l'instant, j'ai d'autres choses. Aïe. Alors moi je me rends compte que je vais pouvoir commencer à nommer des troupes, mais ce sera au prochain épisode. Est-ce qu'on se donne un dernier tour ou on finit celui-là, mon cher? On finit celui-là. On a le temps de faire un dernier tour, je pense. Ah, Antioche, on va me donner 12 pièces d'or, ouais. C'est bon, on finit ce tour-là. D'accord, on finit. Allez, l'invasion a sonné. Je rapproche mes troupes. Ça va saigner au prochain tour. Allez, en avant. Bon, en tout cas, j'ai 4 navires en position de défense. C'est déjà ça? Ouais. Je vais laisser un canon ici, tiens.
qui a révélé augmenté, ok. En fait, je pense que c'était coréenne qui s'est rebellée, ça fait vachement tampon, c'est bien. Hein? Fait un moment hystérique, tout le monde salue le drapeau alors que votre première flotte se met en place. C'est qui ça? C'est mon médecin qui a traversé, mais il est fou! Quoi? Je pensais avoir lié mon médecin à l'armée, attends. L'armée, elle peut traverser? Ah, l'armée peut traverser. Ah, bah. J'attaque alors... Yang Sang? Oui, j'envoie des. Enfin, j'attaque. On verra au prochain épisode. Pour l'instant, je place mes troupes. 1, 2, donc je suis obligé de mettre mon canon ici. Sinon, je suis à portée de Jinju. Et du coup, c'est pas mal. Ça avance. Très bien. Je peux pas attaquer. Pas un mouvement insuffisant. Ok. Moi, ce que j'aime bien avec mes villes qui sont des les colonies, oui. Je peux y envoyer mes mon négociant de l'autre côté. Puis il fait d'excellentes routes commerciales, très payantes. On va observer un truc quand même. Mon chevalier. J'espère que j'ai pas fait une gaffe. Bah non. Est-ce qu'on pourrait laisser son chevalier quelque part là, en défense? Ouais, parce que ça pue là. Allez, on va l'amener par là. Bon bah écoute, moi j'ai fini mon tour. Si c'est juste de la pure gestion, tu me dis. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode, Rich Cool. Pour l'instant, c'est de la gestion. De la pure gestion, très bien. Eh ben écoutez, prochain épisode, on va voir comment Rich Cool survit entre Saladin et la Géorgienne, qui s'appelle d'ailleurs comment déjà elle? Tamar. Tamar, la terrible qui aime bien les remparts. Et puis moi, bah la Corée, je vais la bouffer doucement. Prochain épisode, on va attaquer du coup deux villes, Yangsan et Jinju. Merci à vous de nous avoir regardé, c'était épisode 13. Merci à toi, Rich Cool. Bye bye. Bye bye.